Nettoyer son visage avec des produits naturels. Nous ne devons jamais oublier de préserver notre peau, cet organe si sensible qui recouvre l'intégralité de notre corps. C'est pour cette raison qu'il faut en prendre soin. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, mais bien une question de santé. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur comment nettoyer son visage, cette zone connue pour être si délicate. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un salon de beauté, et il n'est pas non plus nécessaire d'utiliser des produits chimiques fort coûteux pour nettoyer et illuminer la peau de notre visage. Nous pouvons réaliser un traitement de beauté directement chez nous avec des produits totalement naturels. Il est vrai que nettoyer son visage constitue une activité hygiénique indispensable à notre corps. Mais il ne s'agit pas uniquement de cela, c'est aussi une excellente manière de rajeunir notre peau. Nous vous proposons de suivre différentes étapes pour réaliser un nettoyage simple, naturel et efficace. Dans un premier temps, il faut se laver la peau du visage avec de l'eau tiède et du savon doux. Une fois que nous avons enlevé toutes les impuretés superficielles accumulées lors de la journée, nous pouvons ouvrir nos pores. C'est une étape fondamentale, car elle sert à préparer le terrain avant d'appliquer notre masque pour nettoyer la peau. En effet, les pores bien libérés permettent à notre peau d'absorber parfaitement les produits que nous appliquerons par la suite. Nous pouvons chauffer une casserole d'eau jusqu'à ébullition. Ensuite, nous la retirons du feu, et il n'y a plus qu'à y rajouter une herbe comme par exemple la lavande, la camomille ou du thé vert. Tout de suite après, nous approchons notre visage du récipient et nous recouvrons notre tête d'une serviette, ce qui permet de recevoir les vapeurs directement sur notre visage. 2 à 5 minutes seront largement suffisantes pour que la peau transpire bien. Lors de cette étape, nous allons éliminer les cellules mortes incrustées dans peau. Nous allons aussi favoriser la régénération cellulaire. L'exfoliation, ou pelin, nous permet aussi d'éliminer les cicatrices, de prévenir l'apparition d'écaillages et de favoriser la circulation au niveau de la peau. Il faudra toujours le faire une fois que la peau sera bien nettoyée et que les pores seront ouverts. Il n'est pas recommandé de sauter des étapes. Nous pouvons réaliser ce pelin à l'aide de diverses recettes maison. Pelin à l'amande, nous mélangeons les ingrédients suivants, puis nous conserverons le tout dans un récipient en verre bien propre. Cela nous permettra d'appliquer plusieurs fois notre traitement, par exemple à raison d'une fois par semaine. Moins une demi-tasse de sel marin. Moins une demi-cuillère à café d'extrait d'amande pure. Une demi-tasse de grains de café. Une demi-tasse de gros sucre roux. Moins une demi-tasse d'huile d'amande douce. Pelin à la noix de coco et au chocolat, mélangez bien l'huile avec le sucre et les extraits, jusqu'à obtenir une substance homogène. Il faudra alors rajouter la noix de coco en poudre et garder le tout dans un récipient prêt à l'usage. Une demi-tasse d'huile de coco. Moins 3 cuillères à café de cacao pur en poudre, sans sucre ajouté. Moins une tasse de sucre roux. Une demi-cuillère à café d'extrait de noix de coco pur. Moins une cuillère à café d'extrait de vanille. Pelin au citron et à l'amande. Il faut éviter de faire rentrer en contact ce mélange avec des substances liquides. Il faudra le préparer avant de nous laver le visage avec, et on remuera le tout avec nos doigts juste avant de l'utiliser. Une demi-cuillère à café de zeste de citron. Moins une demi-tasse de sel marin. Une demi-tasse d'huile d'amande douce. Lorsque l'on applique les exfoliants sur notre visage, il est très important de le faire en douceur. Il faut faire un massage circulaire sur toute la peau de notre visage, en effectuant une légère pression. On utilisera un coton antiseptique destiné au maquillage. De cette manière, nous éliminons toute la saleté présente ainsi que les cellules mortes. Nous pouvons donc continuer notre traitement naturel après cette étape. Nous pouvons laisser la pâte agir pendant une vingtaine de minutes, puis nous laverons notre visage de nouveau à l'eau tiède. Juste après, nous pouvons enlever de notre peau les boutons et les points noirs présents sur notre peau. C'est le seul moment opportun pour le faire, car dans d'autres cas, nous risquerions d'abîmer notre peau et donc de provoquer des infections.
Une fois que notre peau est bien nettoyée, exfoliée et sans impureté, nous pouvons appliquer un masque du visage naturel. Le masque correspondra aux besoins personnels de chacun. Il existe des masques pour hydrater la peau sèche, d'autres pour éliminer l'excès de sébum, ou alors pour éliminer les taches. Il y en a d'autres pour fermer les pores et d'autres qui servent à combattre l'apparition des rides. Nous pouvons appliquer le masque jusqu'à ce que le produit devienne bien sec. Ou sinon, nous pouvons utiliser la même méthode que celle suivie lors du pelin, c'est-à-dire laisser le masque agir 20 à 30 minutes, puis rincer à l'eau tiède. Le mieux dans ce cas-là est de sécher ensuite la peau en la tapotant délicatement. Il existe des masques naturels très simples à faire et à appliquer. Qui plus est, ils sont très efficaces. En voici quelques-uns. Masque anti-rides, vous mélangeons dans un récipient une tasse de pulpe de concombre sans pépins et un eau crue. Nous appliquons le masque sur toute la peau de notre visage, puis nous le laissons agir pendant au moins une demi-heure. Masque restaurateur de pH, nous utilisons un paquet de gélatine, ainsi qu'une tasse de pulpe de tomate. Nous chauffons la gélatine et nous rajoutons ensuite la pulpe de tomate jusqu'à obtenir une pâte compacte. Une fois le tout refroidi, nous l'appliquons sur tout notre visage et laissons agir pendant une vingtaine de minutes. C'est le temps nécessaire pour que la tomate rééquilibre le pH pendant que la gélatine tonifie notre peau. Masque hydratant, le masque se fait à l'aide d'une moitié d'avocat transformé en purée, 2 cuillères de miel et 2 œufs. Nous battons les œufs en neige, puis nous ajoutons les 2 autres ingrédients. Une fois que le mélange ressemble à une pâte fine, nous l'appliquons sur notre peau. En plus d'hydrater notre peau, l'avocat nous aidera à éliminer les cicatrices et l'hyperpigmentation. Il faut laisser le masque sur notre visage pendant au moins une demi-heure. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas besoin de grand-chose pour préparer un masque fait maison. Le grand avantage est que ces masques sont totalement naturels et ne présentent donc pas de contre-indications. Les masques laisseront votre visage lisse et votre peau douce. N'oubliez pas de retirer le masque à l'eau tiède et de tamponner délicatement votre peau pour la sécher. Une fois que le nettoyage est fini, l'idéal est de refermer les pores. De cette manière, on évite de les voir se remplir d'impuretés. Nous pouvons le faire en appliquant de l'eau bien gelée sur notre visage, en y faisant fondre quelques glaçons par exemple. Si le masque contient des tomates ou des concombres, vous n'avez pas besoin de le faire, car ils referment eux-mêmes les pores de notre visage. Il existe d'autres produits qui peuvent aider à refermer les pores, comme le thé vert, la menthe ou le cidre de pomme. Ces ingrédients ont tous des vertus astringentes. Nous les appliquons sur notre peau en humidifiant notre visage à l'aide d'une serviette, puis il suffit d'attendre que le produit sèche. Après, nous pouvons rincer notre visage à l'eau froide. Entretien de la peau. Une fois le nettoyage terminé, il faut qu'il perdure dans le temps. Il est donc très important d'hydrater correctement notre peau, car elle ne doit être ni trop sèche ni trop grasse. Pour cela, il est recommandé d'utiliser une crème hydratante adaptée à notre peau et à ses spécificités. Nous éviterons de cette manière l'assèchement, les démangeaisons et même le vieillissement de la peau. Nous devons hydrater notre peau de manière quotidienne pour qu'elle reste lisse et douce. Nous pouvons aussi élaborer nous-mêmes notre propre crème hydratante anti-rides pour peau très sèche. Ce remède fait maison pourra se conserver au réfrigérateur pendant au moins 3 mois. Mais il est préférable de ne pas attendre autant de temps, car les bienfaits de la crème font surtout effet les premiers jours, juste après l'avoir réalisée. Les ingrédients sont les suivants. 25 g de purée de concombre. 25 g d'eau distillée. 25 g d'huile de jojoba. 25 g d'huile de pépin de raisin. 25 g d'huile essentielle de rose. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un récipient plutôt grand. Il faudra bien battre le mélange, jusqu'à ce que l'huile s'intègre parfaitement à l'eau et aux autres produits. Conservez le mélange dans un bocal en verre. Vous pouvez désormais commencer à l'appliquer de manière quotidienne pour profiter de ses vertus dès le premier jour.
Il est conseillé de l'appliquer lorsque l'on sort de la douche ou du bain, c'est-à-dire lorsque la peau est bien propre et les pores ouverts. Ainsi, les merveilleux effets de notre crème pénétreront plus facilement dans notre peau.